Bienvenue dans mon atelier. C'est vrai que c'est un espace qui m'est propre. Directement quand on rentre, on a des livres, on a des toys, des jouets, c'est un petit peu le bazar partout, mais c'est là où finalement moi je me sens une sorte d'immersion totale dans un univers quand on rentre. Donc moi je travaille très tôt le matin, en comparaison certainement de mes autres collègues qui sont plutôt travaillant la nuit. Moi je me lève à 4-5 heures du matin pour travailler, donc je commence toujours avec un petit café. Ça c'est important, je relève un petit peu les mails. Après l'agencement, en fonction de ce que j'ai à faire comme album, du coup je peux aussi passer donc du temps sur la table à dessin. Donc table à dessin qui est orientée finalement face à une baie vitrée qui permet d'avoir une lumière naturelle très, très large et très lumineuse tous les moments de la journée. Donc ça c'est appréciable. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, c'est vrai que c'est assez sympa puisqu'on a toujours un regard sur l'extérieur. Donc c'est moins fatigant qu'une lumière naturelle. Après, il y a beaucoup de livres dans tous les sens. Il n'y a pas de classement précis. C'est je mets, je reprends. C'est vraiment. C'est l'idée, c'est voilà, faut que ça vive. Mon petit garçon, la porte est ouverte, quand il est réveillé, après il vient, il prend des bouquins, il n'y a rien d'interdit à ce niveau-là, ce qui permet que c'est un espace qui m'est personnel, mais c'est un espace aussi de vie de tout le monde au final. Donc il n'y a pas du tout d'interdit. Donc en termes d'influence, c'est assez varié puisque du coup je m'influence énormément de tout ce qui est cinéma, musique. Alors la bande dessinée, oui, à un moment donné pour voir un peu ce qui se fait en matière de bande dessinée, mais vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire que ça m'arrive de lire très bien de la BD franco-belge comme du manga ou même du manga comme cet auteur du coup très underground. Donc ça c'est assez avec des couleurs bien particulières. Donc aussi bien du comics, parce que du coup dans les comics on retrouve Hellboy qui est quand même une bonne référence. Ça m'arrive aussi d'acheter des choses comme à l'époque c'était les crados, donc ça c'est plutôt des livres d'illustration avec les. Donc là c'est en version américaine, je crois que la version française vient de sortir il y a pas longtemps. Donc, j'achète beaucoup d'imports, de choses qui se passent plutôt aussi à l'étranger pour voir un peu mixer la culture, et ça c'est important. Comme voilà, il y a Miyazaki sur du coup les storyboards du maître, donc avec. Donc son dessin et tout son découpage sur là, c'est sur Porco Rosso en l'occurrence. Donc en termes d'influence, c'est vraiment très très varié. Et l'intérêt quand on fait de la bande dessinée, c'est d'être curieux de tout et pas que du support média dans lequel on est. C'est d'aller vraiment voir tout ce qui se passe. En termes de documentation aussi, par rapport à une autre thématique qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est un peu les art toys, modern art culture. Et donc depuis quelques années, il y a des ouvrages qui sont sortis un petit peu sur des personnes qui font vraiment dans tous les registres, que ce soit de la figurine, de la peinture, un peu du pop, etc. Et donc on est dans des registres de transformation d'objets, on va dire, du quotidien. Et dans des registres très très différents. Donc en termes d'influence, moi ça m'influence énormément dans le terme du custom, mais au final ça a certainement une influence aussi également sur la bande dessinée. Alors c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui en fait, je fais beaucoup de bande dessinée jeunesse, mais voilà, il y a des projets qui sont à venir qui vont faire que ça devrait à un moment donné aboutir dans des registres beaucoup plus différents. Donc moi, ma méthode de travail, c'est que dès que j'ai une idée, j'essaie de la noter sur n'importe quel papier. Donc ça peut être des post-it qu'après je colle
là où je pense la pouvoir les retrouver. Donc ça peut être aussi dans des cahiers de brouillon qui nous permet voilà, de noter les idées. Donc l'intérêt c'est pas de faire du beau dessin, c'est surtout de garder les idées et trouver une manière de découper. Une fois que j'ai mon idée, donc je fais donc des, ce qu'on appelle un peu des roughs un peu plus poussés de mes personnages et de ce qui va se passer dans la BD. Et je les travaille à la table lumineuse. Alors le principe de la table lumineuse, c'est hop, la petite table qui fait de la lumière et du coup ce qui me permet avec donc une autre feuille par transparence de redécalquer. Donc après la technique de l'ancrage, voilà, une feuille, on ancre. Et une fois que cette partie est ancrée, du coup il reste la couleur à faire. Sachant que la couleur moi j'en fais pas par manque de temps, parce que du coup j'écris et je dessine. Donc du coup je l'envoie à un coloriste qui lui va s'occuper de faire la couleur qui s'appelle Dawid. Donc voilà, c'est un peu la même manière de fonctionner sur en grande partie sur l'ensemble des albums. Donc autour du custom, ce qui est intéressant, c'est de prendre finalement des objets dont tout le monde connaît. Et du coup, après, l'idée du... Là, j'avais un principe, une sorte de fil rouge, on verra d'ailleurs après, avec donc des personnages, des poupées comme ça. Donc on enlève la tête. Et le principe était donc de les repeindre chacune d'une couleur. Et après, de les transformer. Donc là, c'est en cours de réalisation. En ce moment, j'ai pas trop le temps. Du coup, de peindre et de changer du coup la tête du personnage. Donc après, en faire plusieurs séries qui vont être accompagnées d'autres transformations d'objets. Donc encore, il reste des peintures à faire sur l'ensemble du corps. Donc là, voilà, ça, c'est avec ces poupées. Ça peut être aussi avec des planches de skate ou alors avec d'autres personnages qui sont tirés là de la Lucia Libre, donc qui a été un collectif BD. Il y a quelques temps, donc ça c'est des toys, donc Gobi a fabriqué donc le design de ce toys, El Panda, donc au début il est comme ça, voilà, c'est vraiment la figurine qu'on peut trouver dans le commerce brut, et après l'idée c'est voilà, de le transformer, c'est-à-dire que là le El Panda était transformé en El Babar, donc c'était un peu l'idée de détourner un petit peu le produit initial pour en faire un autre produit au final, donc c'est assez rigolo et assez plaisant à faire.